Cette émission, surnommée la capitale touristique du Bas-Saint-Laurent, sera le site d'un futur parc provincial de conservation qui sera mis en place pour protéger et mettre en valeur la faune et la flore unique et particulièrement riche de cette région. Le camping municipal du Bic, le plus beau et le plus grand camping à l'est du Québec, est géré par la municipalité du Bic et il accueille chaque année plus de 30 000 visiteurs et campeurs. Les Bicois sont fiers de leur coin de pays. Ils sont prêts pour recevoir tous ces nouveaux visiteurs et leur communiquer toute la chaleur, la cordialité et la joie de vivre des gens d'ici. Monsieur Léon Saint-Pierre, ça me fait plaisir de vous présenter tous nos amis de la province. Vous faites quoi dans la vie, vous? Pour faire le tourisme scolaire. Ah, mon Dieu, vous avez une grande responsabilité, là, avec nos jeunes. Ah oui. Et ce soir, vous allez chanter pour nous. Oui. Qu'est-ce que vous chantez, là, vous? Pour boire et pour vendre. Oh, d'ailleurs, on va y aller au marché avec vous. Pour boire et pour vendre, pour boire et pour vendre. Le chapeau de ma blonde, le chapeau de ma blonde, le chapeau de ma blonde, je l'ai vendu seulement 5 jours. J'ai pris un coup, j'ai pas traité, j'ai pas traité. Ok, 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 ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Ok, ok, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Ah, pour boire, il faut vendre, pour boire, il faut vendre. Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. Je l'ai vendu seulement 5 sous, enfin reçu, j'ai pris un coup, j'ai pas fait, j'ai pas fait. Ok, j'ai ma mère, j'ai de l'argent pour moi. J'ai ma mère, j'ai de l'argent pour moi. Ah, pour boire, il faut vendre, pour boire, il faut vendre. La blouse de ma blonde, la blouse de ma blonde, la blouse de ma blonde. Je l'ai vendu seulement 5 jours, enfin reçu, j'ai pris un coup, j'ai fait la petite, j'ai fait la petite. Ok, ok, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Ok, ok, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Ah, pour boire, il faut vendre, pour boire, il faut vendre. La jupe de ma blonde, la jupe de ma blonde, la jupe de ma blonde. Je l'ai vendu seulement 5 jours. J'ai pris un coup, j'ai fait un coup, j'ai fait un coup. Ok, 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 ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Ok, ok, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Ah, pour boire, il faut vendre, pour boire, il faut vendre. De ma blonde, les chaussettes de ma blonde, les chaussettes de ma blonde, les chaussettes de ma blonde. Et j'ai vendu seulement 5 jours, j'ai reçu, j'ai pris un coup, j'ai pas pris deux, j'ai pas pris deux. Ok, ok, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Ok, ok, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Ah, pour boire, il faut vendre, pour boire, il faut vendre. Le cheval du sablon, il est terrible. C'est incroyable, ça. On va vous donner une pénitence pour ça. Oui? Ben oui, on va vous faire giguer. Ça a l'air qui gigue, hein? Oui, oui. Le blanc pénitence, il va nous faire giguer. Allez-y, en avant, la musique. Très bien, merci.
J'avais mis de l'entraîne en tout cas. Il y a des petits jeux de folklore qu'on n'entend pas souvent, peut-être à la production. Il y en a qui ne sont pas tellement faciles à faire. Il y a parfois comme ça des chanteuses qui ont la façon de faire ces chansons. Madame Huguette Bouillon en a déniché un de ces petits trésors-là. Comment vous l'appelez votre chanson? Jeune fillette. Jeune fillette, on chante avec vous. Les marchands Instacor, Tourvogue et Air Canada vous invitent à participer au concours Les Beaux Mariés de Via Québec. Chaque semaine, plus de 1 150 $ de prix à gagner, dont un four micro-ondes Philips. À la fin du concours, un des 4 superclubs de la Jamaïque accueillera pour une semaine notre couple gagnant grâce à Tourvogue et Air Canada. Les Beaux Mariés de Via Québec, un petit jeu questionnaire amusant, mais surtout de magnifiques prix à gagner grâce aux marchands Instacor et Philips. Pour plus de détails, regardez Via Québec du lundi au vendredi à 16h. Dans Via Québec, découvrez la chronique de l'inspecteur gourmet Mad Dog Vachon en critique culinaire. Tu vois là-dessus que j'en mange la porte tout de suite. Ouais, mais ça goûte pas de navet. Hein? Les navets sont pas tout en soupe. Des truffauts. Des échalotes de veau. Ça sera pas méchant. Bon ben! Pouvez-vous vous imaginer faire ce magnifique afghan douillet plein de marguerites en moins de 48 heures? Eh bien, vous le pouvez avec le tricot magique. Dans le passé, avec le tricot et le crochet, vous aviez à assembler des centaines de carrés. Avec les outils du tricot magique, vos magnifiques rosettes s'attachent automatiquement. Aucun rapiècement ennuyeux à faire. Grâce aux outils et aux patrons du tricot magique, vous pouvez faire aussi un élégant afghan papillon et ce petit afghan coquet et confortable, un modèle de style classique grec et des afghans kaléidoscope colorés. Avec cette offre spéciale, vous recevrez des outils de tricot magique carré et rond, un outil pour pompons, des instructions illustrées ainsi que les étapes des patrons décrites une par une pour une réalisation excitante du tricot magique. Composez sans frais, 1-800-268-6364 ou envoyez chèque ou mandat poste au montant de $23.93 à Tricot Miracle, case postale 444 Saint-Laurent, Québec. Le numéro, 1-800-268-6364. Thank you.
cause d'une partie de quadrille. N'est-ce pas qu'elles avaient et qu'ils avaient de jolis costumes? Vous félicite, c'est très, très, très beau. Maintenant, si vous voulez, moi, je fais le tour de la grande table ronde pour vous présenter nos invités spéciaux ce soir. C'est sûr que nous avons son honneur le maire. Ça me fait plaisir de vous présenter M. Lucien Simon. Nous avons Mme la mairesse. Ici, à côté de moi, c'est le président du 150e anniversaire, M. Bouillon, M. Maurice Bouillon. Et nous avons M. Noël-Yvon Turcotte, qui est l'organisateur de cette soirée. Et Mme Turcotte, bonsoir, madame. Eh bien, maintenant, c'est le moment de nous entretenir avec son honneur le maire. Il y en a des choses à dire sur sa municipalité. Il est fier, je pense. Ça fait un an que vous êtes maire, vous me disiez? Ça va faire exactement un an, le 5 novembre, oui. Et je pense que vous avez beaucoup de progrès. Vous avez des idées bien précises concernant l'administration de votre municipalité. Bon, il y a évidemment plusieurs projets. La municipalité est rendue à un point d'évolution où il faut absolument repenser à peu près toutes les infrastructures. Qu'on parle de loisirs, qu'on parle d'urbanisme, qu'on parle de protection contre les incendies, qu'on parle d'aqueduc, qu'on parle d'épuration des eaux, c'est des dossiers qui sont tous sur la table puis que nous devons traiter de front actuellement. Ah bon. Le Bic est une municipalité merveilleuse au plan géographique, au plan du site touristique. On veut la conserver comme telle, lui conserver sa beauté, puis conserver aussi la beauté des gens qui sont là. Bien oui. Alors, c'est sûr. On a vu tantôt dans le film que votre municipalité est à la fois agricole, touristique et industrielle. Oui. Ça touche à peu près toutes ces sphères d'activité. Maintenant, étant donné la proximité de Rimouski, il y a des gens de Rimouski qui vont demeurer chez vous, qui vont s'établir à cause du site qui est merveilleux. C'est sûr, à ce moment-là, que ça suppose que vous devez prévoir de ménager. Oui, c'est bien des choses. C'est ça qui crée des problèmes à un moment donné. Les structures qui étaient en place pour le village agricole, surtout qui était Bic, le beau petit village pittoresque, deviennent à un moment donné insuffisantes. Et à ce moment-là, les gens qui demandent des services, il faut essayer de leur en offrir à des prix qu'ils peuvent payer. Oui. Maintenant, vos projets les plus urgents, c'est quoi, là? Le projet le plus urgent, celui qui est en cours actuellement, c'est le réaménagement d'un terrain de jeu propre à desservir à peu près toutes les couches de la population de la municipalité. Puis propre à offrir des activités pour tous les goûts. Alors, votre priorité, dans le moment, c'est les loisirs. Les loisirs. Les loisirs. On y va. Écoutez, j'invite la population du Québec à passer par Bic. Ils en reviendront pas, c'est merveilleux. Monsieur le maire, on n'a pas le temps de causer plus longtemps. Je sais que vous avez bien des choses on à dire. On les invite, nous aussi. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Madame la mairesse, merci. Eh bien, on va faire chanter un monsieur qui s'appelle monsieur René Dionne. Il est dans l'autre côté, là-bas. Attendez un petit peu. Je vais aller vous le présenter. Vous allez voir qu'il chante bien, monsieur. Monsieur Dionne, bonsoir. Vous faites quoi dans la vie, vous? Je travaille dans une épicerie. Ah bon, vous travaillez dans une épicerie. Oui, et ce soir, vous chantez quoi? Je chante la petite Jonathan. Oh, si elle est charmante, la petite Jonathan. Écoutez ça. Jonathan prit sa fauteuil pour aller couper du jonc. Jonathan prit sa fauteuil pour aller couper du jonc. Elle fut bien la rencontre de trois beaux jolis garçons. Voilà pourquoi s'endormit-elle la petite Jonathan. Elle fit bien la rencontre de trois beaux jolis garçons. Le premier un peu timide l'embrassa sur le menton. Voilà pourquoi s'endormit-elle la petite Jonathan. Le premier un peu timide l'embrassa sur le menton. Le deuxième moins gêné leva le vent de son jupon. Voilà pourquoi s'endormit-elle la petite Jonathan. Le deuxième moins gêné leva le bord de son jupon. Le troisième, ce qu'il fit n'est pas digne de ma chanson. Voilà pourquoi s'endormit-elle la petite Jonathan. Le troisième, ce qu'il dit, n'est pas digne de ma chanson. Si vous voulez le savoir, allez-y couper du vent. Voilà pourquoi s'endormit-elle la petite Jonathan. Voilà pourquoi s'endormit-elle la petite Jonathan. Quelle belle histoire, merveilleuse. Merci, M. Pierre. Merci beaucoup.
Jamais si petit n'a chauffé si grand. Économisez sur vos frais de chauffage grâce à la micro-fournaise en alternant cet appareil avec votre système de chauffage actuel. La micro-fournaise consomme environ 1 $ par jour d'électricité et n'assèche pas l'air. Elle est munie de ventilateurs qui fait circuler l'air chaud partout dans la pièce. Sécuritaire car son boîtier ne chauffe pas. Idéal pour chalet, bateau, sous-sol, remise de jardin, solarium, etc. Pour le grand confort, la micro-fournaise offerte avec une garantie de 5 ans. Composez sans frais le numéro 1-800-361-0170, local 985. On vient de m'informer que Bunker Hill Academy va être fermée. Tous ces bâtiments rasés, il ne restera plus rien. Voici en un clin d'œil les films à l'affiche de notre programme double de ce dimanche après-midi sur un amour de télévision. À midi, le dernier clairon mettant en vedette Sean Penn, l'heureux mari de Madonna. Lui et les autres élèves d'une école militaire occupent les lieux pour empêcher sa fermeture. À 14h30, vivez des moments lourds de tension dans 5 femmes en danger. Enfin en français, un saut d'après-midi à cœur ouvert du lundi au jeudi à 14h30. Bienvenue ici avec l'ambulance. Excusez-moi. Oui. Je suis le docteur Anderson. Oui, docteur. Et vous le connaissez? C'est mon fils. Les intrigues amoureuses et professionnelles dans un grand hôpital. À vrai dire, Ada m'a parié 50 cents que je vous emmènerai pas dîner chez Benny ce soir. Eh bien, Ada a perdu 50 cents. Je vous retrouve devant l'entrée du personnel à 8h. Très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Hello? Pardon, qui est à l'appareil? C'est Laura de Nam. Oh, Craig, il faut que je te parle. Je vais devoir dire à mon mari où j'étais la nuit dernière. Je ne peux pas encore me prononcer. À cœur ouvert, du lundi au jeudi, à 14h30. Madame Côté. Bonsoir, Madame Côté. Vous êtes disposée à nous faire une petite chanson, madame? Oui, je vais marier ma fille. Ah, vous voulez marier votre fille? On peut-tu aller aux noces avec vous? On y va. Nous avons vu la fillette, youflala la lira, qui voudra bien la pauvrette, youflala la lira, pour plutôt se marier, youf, 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 les lira,
C'est bien passant, madame. Merci beaucoup. Merci, ça a été des belles notes. Je vais retourner ici autour de la grande table parce que tantôt, vous ai présenté le président du comité d'organisation des fêtes du 150e anniversaire. Vous aurez des questions à lui poser parce que ça sent bien, ça, hein? Ça va se célébrer à partir de quand, ça, M. Bouillon? Bon, il y a toute l'année du 150e qui commence de janvier 80 à décembre 80. Maintenant, il y a, en cours de l'année, à tous les mois, il y aura des activités spéciales organisées par différents organismes de la municipalité du Bic. Cependant, il y a un temps fort, là, le temps des fêtes, proprement dit, qui est dans la période de vacances, se situe du 11 juillet au 20 juillet. C'est pas exactement les dates qu'on a données dans le film tantôt, hein? Il y a eu une petite erreur là-dessus, là. Il y a eu un petit changement de programme. Ah bon, il y a eu un changement. Alors, c'est quoi les dates, encore une fois, là, les vraies? Les vraies dates qui vous sont jamais changées, je vous jure. Ça changera plus, là, hein, M. le maire, ça changera plus. Bon. C'est du 11 juillet au 20 juillet. Bon, on va s'en rappeler. Là, toute la province est invitée, particulièrement les gens qui ont déjà demeuré au Bic, les Bicois. On les appelle comme ça, les Bicois, oui. Les Bicois. Il y a des gens qui ont demeuré au Bic, qui ont travaillé au Bic, qui ont des parents au Bic, et il y a toute la population du Québec, comme on l'a dit tout à l'heure, est invitée aux fêtes du 150e, où il y aura des activités pour tout le monde. Pour tout le monde, mais dans les fêtes intensives, là, qu'est-ce que c'est en fait, les activités? Bon, En gros. Il y a le Tour des îles, par exemple. Il y a une journée au club de golf. Il y a ensuite une journée pour les sports, les jeunes, pour les personnes, les pionniers qu'on appelle, au Bic. Et il y a également toutes les soirées populaires, des pièces de théâtre, des soirées d'amateurs. En fait, il y a un programme où tous les gens qui veulent s'amuser, qui veulent fraterniser pendant ces fêtes-là, auront l'occasion d'en profiter. Et il y a aussi un volume qui a été préparé, qui sera publié au début de janvier pour toute la population du Bic et les visiteurs. Et ça vaut la peine de le voir aussi. C'est une recherche sur l'historique du Bic et également sur les familles du Bic. Je suis convaincu que les fêtes du 150e vont être un succès. Connaissant maintenant le président du comité d'organisation, on ne peut pas passer à côté, il faut que ce soit un succès. Ce soit un succès, sûrement, parce qu'il y a une équipe de bénévoles autour de presque actuellement une centaine de bénévoles, mais dans le temps fort des fêtes, il y aura autour de 200 personnes qui seront impliquées dans l'organisation des fêtes 150e pour faire un succès de cette activité qui arrive seulement une fois tous les 150 ans. Ben oui, il faut en profiter, hein? Maintenant, M. le Président, on va vous donner une pénitence, vous aussi. On va le punir, Lucie, hein? Il a parlé longtemps, pas mal. Ça vaut une pénitence, on le fait chanter. Vous voulez qu'il chante? Oui. Le voici, votre président va chanter. C'est ça. Les gens bien habillés s'en vont à une veillée. Les gens bien habillés s'en vont à une veillée. Et moi, tout en sortant, je reste à la maison. Y'a mes petits malades, mes petits malades, lire, lire, lire. Y'a mes petits malades, mes petits malades, lire, lire, lire. Et
Laissez-moi tout en torchon, je reste à la maison. Pour me désennuyer, là je me suis bien saoulé. Y'a mes petits malades, je peux lire, lire, lire. Y'a mes petits malades, je peux lire, lire, lire. Pour me désennuyer, là je me suis bien saoulé. En haut de dans ma chambre, là j'étais bien fâché. Y'a mes petits malades, je peux lire, lire, lire. Y'a mes petits malades, je peux lire, lire, lire. En haut de dans ma chambre, là j'étais bien fâché. Pour passer ma colère, là j'ai cassé mon verre. Y'a mes petits malades, je peux lire, lire, lire. Y'a mes petits malades, je peux lire, lire, lire. Pour passer ma colère, là j'ai cassé mon verre. Pour passer ma colère, là j'ai cassé mon verre. Au bas de la maison, j'ai cassé mon flacon. Y'a mes petits malades, tu me lire, lire, lire. Y'a mes petits malades, tu me lire, lire, lire. Au bas de la maison, j'ai cassé mon flacon. Au bas de la maison, j'ai cassé mon flacon. Au coin de la laiterie, j'étais bien étourdi. Y'a mes petits malades, tu me lire, lire, lire. Y'a mes petits malades, tu me lire, lire, lire. Au coin de la laiterie, j'étais bien étourdi. Au coin de la soie de cochon, j'étais sous comme un cochon. Y'a mes petits malades, tu me lire, lire, lire. Y'a mes petits malades, tu me lire, lire, lire. Du lundi au vendredi à 17h, ajustez votre humeur à celle de Montréal en direct. Accordez votre humour à celui de Pierre Marcotte, de Gilles Latulippe et de Claude Blanchard. Chaque jour, une pléiade d'invités et de surprises. Montréal en direct, du lundi au vendredi à 17h. Pour de la vraie détente. Voici le groupe le plus populaire de toute l'histoire de la musique country. Aujourd'hui, avec plus de 6 millions de disques vendus, 8 disques d'or, 2 platines et de nombreux prix remportés à travers le monde, ils sont plus populaires que jamais. Voici les seuls et uniques Statlers. Nous sommes fiers de vous présenter ce nouvel album en exclusivité à la télévision. Les plus grands succès des Statlers. That's 18 magnifiques chansons des frères Statlers. Leur plus grand succès d'hier et d'aujourd'hui, enfin réunis dans un super album. N'oubliez pas, les plus grands succès des Statlers ne sont pas disponibles en magasin. Alors soyez prêts à commander dès maintenant. Composez 1-800-567-2999, payez avec Visa, Mastercard, chèque ou mandat poste. L'album des Statlers vous coûtera seulement 13,97$ le disque ou 15$ plus la cassette, incluant taxes provinciales, poste et manutention. Si vous payez à la livraison, vous ajouterez 2$ plus un peu de frais supplémentaires. Écrivez à Statlers, carte postale 1568 Trois-Rivières, G9A5E8. Seigneur, 72 ans. Je vous l'avais vu juguer, c'est formidable, on l'applaudit encore. Fantastique. Merci, M. Caron, merci beaucoup. Il y en a un autre qui est plus âgé que ça, c'est le doyen.
Mais seulement, j'ai envie de faire un petit jeu ce soir. Je ne vous donne pas son art, vous allez le deviner. Parce qu'on va le faire chanter. Là, vous pouvez faire des gageures, hein, et l'autre. On va faire chanter le doyen. Après ça, on le présentera officiellement, puis là, on le fera jaser, puis on lui demandera son art. Monsieur Aimé Leclerc, venez-là nous faire votre chanson pour commencer. C'est le temps. C'était l'année dernière, à la fête de 7 août. Nos amis ensemble voulaient prendre un petit coup. Cherchant une merveille qui puisse être vertir, j'entends dans mon oreille son appel retentir. Mettez dans le trou, mettez les trois boules de poids pour un sou. Ça roule, 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 mettez dans le trou. Mettez les trois boules, vous gagnerez un bon coup. Seulement pour un sou. Sa voix était charmante, les marchandes me plaisent. Son doux sourire me tente, je peux rire à grand complet. Quel est ce jeu, dit-il, que je ne connais pas? Pour gagner, répond-elle, de la paix qui est là-bas. Mettez dans le trou, mettez les trois boules, trois sous, un sou. Ça roule, 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 mettez dans le trou. Mettez les trois boules, vous gagnez un bon coup. Seulement pour un sou. Avec adresse, le trou qui était au fond. La boule avec prétexte vient de passer dans le rond. Et la deuxième que je lance passe aussi sans toucher. Et la troisième passe aussi sans raccrocher. J'ai mis dans le trou, j'ai mis les trois boules, trois tours à un trou. Ça roule, 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 j'ai mis dans le trou. J'ai gagné un bon coup, seulement pour un sou. Pourtant que je me sépare de mon petit lapin, non, non, cher Bandor, je vous offre ma main. J'accepte devant le maître une idole et l'avant, et avec ma ménagère, nous chanterons au pantin. Mettez dans le trou, mettez les trois boules, trois sous un sou. Ça roule, 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 mettez dans le trou. Mettez les trois boules, vous gagnez un bon coup. Seulement pour un sou. Vous le croyez que c'est le doyen? C'est fantastique. Monsieur Aimé Leclerc, soyez-vous. Puis là, je vais vous demander votre âge. Ça va être officiel, là, la rencontre officielle des doyens. Monsieur et Madame Aimé Leclerc. Monsieur Leclerc, quel âge avez-vous? Dans les gageurs, là, on va voir ce qui va arriver. 81 ans. Pour 81 ans, je ne crois pas. 81 ans. Oui, ben c'est extraordinaire. Je tiens à vous féliciter. Vous avez un aplomb, vous avez le rythme, vous avez la voix, vous avez l'entrain, la capacité incroyable. Vous n'avez pas de chaud, là. Vous chantez, hein? Exagérez pas, là. Vous êtes plus jeune que lui. Pardon, je suis du même âge. Du même âge? Ben là, je ne crois pas non plus. Oui, 81 ans. Il y en a un qui est en avant de l'autre un petit peu. 4 mois plus vieux que moi. Lui, il est 4 mois. 4 mois plus vieux que moi. Je suis obligé d'y porter respect. Ouais. Écoutez, on voit que vous avez le chant dans le sang. Vous avez déjà chanté, j'imagine. Vous avez fait partie de chorale. Oui. J'ai commencé à chanter à la chorale à l'âge de 18 ans, puis je chante encore. Oui, dans la chorale. Ça paraît. On voit que vous avez l'entraînement. Je pense que madame chante aussi, hein? Madame chante. Elle va-t-il dans la chorale, elle aussi? Oui. Elle a été dans la chorale. Elle actuellement est dans la chorale avec les autres encore. Mais je pense que le chant pour vous dans votre famille, c'est important. Très important. Oui, vous avez élevé votre famille en chantant. À l'entour du piano. Oui. Ah, oui. Ah, vous avez plusieurs enfants? J'en ai 10. Hey, mon Dieu, 10 enfants. Eh oui. Oui, ça vous fait une grande famille, là, les 6 enfants. Pas trop de petits-enfants, non? Seulement 13 petits-enfants. 13 petits-enfants. Sur 10, c'est pas beaucoup. Ben non, hein? Non. C'est plus tranquille des temps qui courent, là. On dirait qu'ils viennent moins de rue, comme on dit. Est-ce que vous êtes du Bic, vous? Toujours. Oui. Ah, vous êtes natif du Bic. Non, mais je suis arrivé au Bic, j'avais un an et demi. Alors, là, on peut dire que c'est un an et demi. Écoutez, ça fait 80 ans quand même, hein? Oui. Ah, oui. Et vous, est-ce que vous êtes natif du Bic? Non, je ne suis pas natif du Bic. À quelle place? Je suis arrivé à 22 ans. Moi, je suis natif de Saint-Octave-de-Métis. Où est-ce que c'est, ça, Saint-Octave-de-Métis? C'est en bas de Mont-Joli. La place en bas de Mont-Joli. Je suis moins familier avec cette partie-là de la province, malheureusement. Ben, mais comment vous vous êtes rencontrés? C'est parce que mon père était chef de gare.
puis il est venu prendre la station en haut bien. Et puis, bien, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ben, à la station. À la station. Ben oui. J'étais allé porter un paquet à la station, là, bon, à la gare, oui. À la gare, oui. Ben, oui. Ah, bon. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes cotisé longtemps? Deux ans. Pas deux ans. Presque deux ans, oui. Oui. Et puis là, ben, quand on a décidé de se marier, là, alors on avait projeté de faire un voyage de noces, faire le tour du Saguenay en bateau. Ah, oui. Alors on dit, on manque pas notre coup, on va demander notre réservation au 1er janvier. Puis au 1er janvier, les réservations étaient données déjà jusqu'au mois de novembre. Oh mon Dieu. Alors on a décidé de ne pas faire de voyage de noces. Non. Au lieu de retarder, non. Oui. Vous avez dit, on ne fait pas de voyage. On a fait un beau mariage. Ben oui, c'est ça qui est important, finalement. Oui. Avec les deux chorales, vous dites? Oui, ceux des enfants de Marie, puis les hommes. Sa chorale, puis la vôtre. Oui. Et ça, ça a dû faire un beau mariage. Oui. Oui. Et puis ça a été le dîner chez mon beau-père, le souper chez moi. Bon. Et puis après le souper, c'est là qu'on a commencé là, une vie de chant puis de musique, parce que ma femme est une grande musicienne. Ah oh, oui, très grande. Oui. Laissez-les donc faire. Ils ne peuvent peut-être pas toujours des compliments. Mais laissez-les faire, il y a du monde qui regarde et tout ça, voyons donc. Oui. On a chanté tout le temps de notre vie. Bon. Puis même les enfants viennent aujourd'hui, c'est des grands-enfants, ils sont tous mariés, puis ils aiment encore revivre ces soirées-là. Ben oui. Allez au piano. Oui. Ben oui. Ben écoutez, là, vous nous donnez encore le goût de vous entendre. Là, moi, je suggère que les deux chorales se réunissent pour réveiller ce soir. On va demander à monsieur et madame de nous chanter un petit duo. Vous voulez qu'ils chantent? Oui, oui. Oui. Allez-y, ça va. Lève ton pied, légère bergère, lève ton pied légèrement. Derrière chez nous, y a un étang, lève ton pied légèrement. Toi, vos canards, ça m'en baignant légèrement. Lève ton pied, légère bergère, lève ton pied légèrement. Lève ton pied, légère bergère, lève ton pied légèrement. Lève ton pied légèrement. Le fils du roi s'en va chassant. Lève ton pied légèrement. Avec ton grand fusil d'argent. Légèrement. Lève ton pied, légère bergère. Lève ton pied légèrement. Lève ton pied, légèrement. Lève ton pied, légèrement. Lève ton pied, légèrement. Dans le noir, tu as le blanc. Lève ton pied légèrement. Au fil du roi, tu es méchant. Légèrement. Lève ton pied 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 légèrement. Par les soulèves, il perd son corps. Lève ton pied légèrement. Et par le déplorer l'argent. Légèrement. Lève ton pied légèrement, lève ton pied légèrement, lève ton pied légèrement, lève ton pied légèrement, lève ton pied légèrement. Toutes ces plumes s'en vont au vent, lève ton pied légèrement. Trois dames s'en vont les ramassant légèrement. Lève ton pied légère bergère, lève ton pied légèrement, lève ton pied légère bergère, lève ton pied légèrement, lève ton pied légèrement. Pour en faire un lit de camp, lève ton pied légèrement. Pour y coucher sous les passants, légèrement. Lève ton pied légère bergère, lève ton pied légèrement. Lève ton pied légère bergère, lève ton pied légèrement. Lève ton pied légèrement. Extraordinaire, vous félicitez. Merci beaucoup. Bientôt, si tu veux revêtir l'esprit de l'homme nouveau, monde nouveau, va commencer bientôt, si tu veux revêtir l'esprit de l'homme nouveau. Le bon cinéma gratuit d'un amour de télévision, ce sont les films récents que vous voulez voir. Parmi le cardinal secrétaire Santani, vous occupe beaucoup. En effet, Minos. Est-ce que tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Et donc, vous en avez déduit que... Que Monseigneur Flaherty travaille avec Varèse et fait du marché noir. Tu as profané mon âme. Tu
Tu m'as redonné quand je n'espérais plus rien et que je croyais ma vie finie à jamais. Tu m'as redonné l'espoir et aujourd'hui tu as tout détruit. S'il a besoin de nous, il nous le dira. Il sait où nous trouver. Je ne peux pas avoir le sida, c'est impossible. Je sais que c'est difficile pour vous, mais je voudrais que vous m'écoutiez. Tu n'oses même pas le dire à tes parents. Ils n'ont strictement rien à voir dans tout ça. Mais enfin, mais qui t'a dit ça? Le médecin après des analyses. Oh non, mais le sida, c'est cette maladie qui touche. Maman, je suis homosexuel. Oh non! C'est pour toi. Écoute, je crois que ce que tu peux faire de mieux pour nous aider, c'est d'accepter le poste qu'on t'offre au Fidji. Et ils doivent être convaincus que ce que nous faisons ne peut être fait que par les Indiens, seuls. Des films récents que vous voulez voir. C'est ça, le bon cinéma gratuit sur un amour de télévision. J'ai joué de ce violon-là, j'ai joué de ce violon-là. Zing, 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 de ce violon-là. Zing, 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 de ce violon-là. Bonhomme, tu n'es pas maître à ta maison, car nous y sommes. Tu n'es pas maître à ta maison, car nous y sommes. Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de cette flûte-là? 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 Flûte, flûte, flûte de cette flûte-là. Flûte, flûte, flûte de cette flûte-là. Zing, zing, zing de ce violon-là. Zing, zing, zing de ce violon-là. Bonhomme, bonhomme, tu n'es pas maître dans ta maison, car nous y sommes. Tu n'es pas maître dans ta maison, car nous y sommes. Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de ce tambour-là? 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 Bum 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 de ce tambour-là. Bum 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 de ce tambour-là. Flûte 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 de cette flûte-là. Flûte flûte de cette flûte-là. Zing 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 de ce violon-là. Zing 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 de ce violon-là. Bonhomme, tu n'es pas maître dans ta maison, car nous y sommes. T'as quand même lui le maître, quand même. Même s'il dit qu'il est pas maître, c'était lui. Je vous le présente, c'est l'organisateur. Il a bien fait ça, hein. On dirait en fait, la toute fin, imaginez donc, il reste un petit bout de danse à vous offrir. Je voudrais donc remercier tout le monde, tous ces bonnes gens du BIC qui nous ont apporté un folklore frais, joyeux, gai. On vous en remercie, c'était vraiment magnifique. On a bien aimé passer par chez vous. Je voudrais remercier en particulier, encore une fois, M. Noël-Yvon Turcotte, qui a si bien chanté. On lui remettra évidemment la photo souvenir. On va l'applaudir aussi pour le magnifique travail qu'il a fait. Je voudrais remercier M. le maire. C'est lui qui a fait le texte qu'on a entendu pendant le film. M. le maire, merci beaucoup. Et je voudrais remercier Mme Yvonne Lagacé, qui a fait l'accompagnement de piano pendant les répétitions. Vous les avez bien préparés, madame. On vous en remercie beaucoup. Vous avez un souvenir pour moi, M. Bilodeau, Narcisse Dubé. Merci. Merci, c'est un beau souvenir, je le garde précieusement. Merci infiniment. Et j'inviterai ceux qui doivent terminer par la danse de bien vouloir s'approcher, s'il vous plaît, parce qu'il faut bien que ça se termine par la danse. Et je voudrais aussi, évidemment, remercier les musiciens au violon, M. Alcide Caron. M. Caron, merci beaucoup. À l'accordéon, M. Wilfrid Caron. Vous êtes parents, je pense, hein? Les deux frères. Les deux frères. Et celui qui joue la guitare, M. Jean-Baptiste Haché. Jean-Claude. Jean-Claude. Excusez, Monsieur Haché, c'est Jean-Claude. C'est ça, on vous remercie de votre belle musique. Il vous en reste encore un petit bout à faire, imaginez donc, pour accompagner la dernière danse. Mes chers amis, on sera là encore la semaine prochaine. Imaginez donc, le Québec sera en fête à nouveau à l'occasion de soirées canadiennes. Soyez avec nous, on visitera un autre coin du Québec. Bonne semaine tout le monde, à la prochaine. Allez-y donc, en avant la musique. Thank you.
Dans un instant, voyez les super étoiles de la lutte, suivi à midi de notre programme double de cinéma, L'Entrée libre. Together.